Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, notre nouvelle belle cuisine. Bien, je suis content de vous retrouver pour ce retour de vacances. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, vraiment. Et donc, on va repartir pour des vidéos, hein, comme d'habitude, avec Pascal, Isabelle et moi-même. Donc, je vais essayer de vous en faire une toutes les semaines pour me concernant. Je sais que ça vous intéresse aussi. Donc, j'avais des demandes, plusieurs demandes, puisque vous avez suivi l'aventure de notre feu à la maison, hein, avec la cuisine. Donc, je vais rappeler un peu les choses, puis vous dire que maintenant que c'est fini, parce que là, tout est en place maintenant, à part la peinture. Voilà, donc on va en parler tout de suite après. Mais avant tout, merci de vous abonner, hein, merci aux dernières personnes qui se sont abonnées, aux derniers amis, je vous remercie beaucoup. Avec l'équipe, on compte sur vous tous, hein, pour vous abonner, de toute façon, ça nous apporte juste la motivation, pardon, hein, pour vous faire les vidéos. Donc on est content de voir que vous êtes fidèles, que vous nous suivez, et franchement, nous on fait ça avec cœur pour vous. Et je rappelle que des fois on me demande, mais pourquoi tu dis ça? Ben non, moi je le dis avec sincérité. C'est Info 411, c'est votre chaîne, vous êtes chez vous. Et cette chaîne va grandir au fil du temps, parce que maintenant ça fait 6 ans qu'elle existe, hein, quand même. Elle va grandir au fil du temps, grâce à vous, avec ce que vous voudrez bien nous demander, ce que vous voudrez faire avec nous, et ce que vous attendez de nous. Parce que nous, on connaît pas tout, on sait pas tout, donc on vous attend vraiment nombreux, ben, pour nous apporter des renseignements, faire des vidéos avec nous, pourquoi pas. Vous pouvez toujours enregistrer des petits podcasts, pardon, des MP3 par exemple, simplement avec votre lecteur que je mettrai en vidéo après. On peut faire une interview par téléphone, on peut faire plein de choses ensemble, pour nous spécialement, puis pour toute la chaîne, donc pour tous les amis qui se trouvent dessus. Et franchement, tout le monde peut être utile pour apporter, eh ben, son savoir, son aide, plein de choses, voire même nous corriger en disant, bon, tu t'es trompé, ça serait mieux que tu parles de ça. Et donc, ben, on en parle ensemble, vous apportez des renseignements complémentaires. L'important, c'est que ça plaise à ceux qui en ont besoin, que ça rectifie les erreurs, que ça aide les autres, parce qu'on a pas mal de débutants sur la chaîne, donc il faut penser aux amis débutants, surtout aussi, faire le plus simple possible, c'est ce qu'on essaye de faire avec Pascal, qui n'est pas toujours évident, croyez-moi, et ainsi, ben, on peut progresser. Donc, gros merci à vous, notre cuisine, puisque vous avez été nombreux à poser la question. Donc je rappelle qu'on a eu le feu le 30 avril dans la cuisine, d'un seul coup le soir, à 8h. Donc, au moment de faire la cuisine, le manger, ben, mon beau-frère, il se trouvait devant la plaque pour cuisiner, et la hotte a pris feu, tout simplement. Et lui, il a été brûlé, bon, au visage, c'était pas dramatique, mais pratiquement deuxième degré. La cuisine a pris feu tout de suite, hein, il y a eu beaucoup de dégâts. On va surveiller les choses, mais il y a eu pour 8 000 € de dégâts dans cette cuisine. Et voilà. Côté assurance, ça a été très 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 long, hein, et voilà des choses. On a passé une nuit à l'hôtel, après il a fallu se battre contre l'assurance, parce que finalement c'est le premier qui nous avait posé le tableau électrique, soi-disant que l'autre était plus conforme. Il nous a posé un tableau électrique, ça a mal été monté, donc on a pris feu derrière apparemment, d'après le deuxième électricien qu'on a fait venir pour faire les travaux, donc Consuel lui par contre, qui donc dépend directement de l'EDF, Inédis, et puis l'autre pour le gaz aussi, donc il travaille en même temps, il a habilité pour. Et donc il était chargé au moment des pompiers quand ils ont débarqué, ben, il avait tout coupé les câbles, hein, tout simplement, parce qu'on ne trouvait pas l'endroit où était le fusible, le bon fusible pour couper, parce que le premier électricien n'avait rien marqué, il avait croisé des fils, c'était le bordel. Voilà. Donc ça avait tout coupé. On s'est battu depuis le 2 mai avec les assurances, j'espère, bon, vous savez, ça a été très très long pour finalement arriver à faire, ben, qu'on a eu la cuisine de, enfin, finie, on va dire, les choses comme ça, finie. D'abord remboursé en partie, donc avec 4 600 € de remboursement assurance sur 8 000, donc vous voyez, ça nous fait mal quand même. Il a fallu donc refaire toute l'électricité à la cuisine, parce qu'on nous avait coupé les prises électriques, les boutons, les fils, tout a été arraché dans la cuisine, hein, 100% par sécurité.
Et on a donc l'électricien est venu, nous a fait un devis, on a fait les travaux, on est reparti. Et je peux vous dire qu'à la date du 15 août, parce que je ne peux pas vous cacher que là on est le 15 août complètement, toute l'électricité est finie en électricité, tout est remonté en place dans la cuisine, les meubles ont été changés, la haute a été changée, la plaque électrique avec qui a été changée, on a fait beaucoup, le micro-ondes a été changé aussi, hein, beaucoup de casse. Bon, la chance c'est que le frigidaire congélateur lui n'a rien, le four n'a rien, la vaisselle n'a rien. Par contre la télévision a sauté aussi à griller en même temps, bon c'est pas grave ça. Et puis bon, tout a été remonté en place. Le placo du plafond a été changé parce que lui, il était tombé carrément. Hein. Et on n'a plus que là maintenant la vitre à réparer parce qu'on a toujours une vitre. On cherche la fermeture de la fenêtre parce que les pompiers nous l'ont forcé pour rentrer pour éteindre l'incendie aussi. Donc c'est cassé, il faut qu'on retrouve la clanche. Et chez la paire, on l'avait acheté apparemment. On a du mal à trouver la pièce. Mais bon, ça va se faire. Et il nous reste la peinture complète à faire qui va se faire fin août tout simplement parce que. C'est un voisin qui va nous le faire gratuitement. Voilà. Donc, on est bien maintenant, on a une cuisine, on mange pas encore dedans parce que pour des raisons pratiques, parce qu'on ne veut pas tout mettre en place à cause de la peinture, mais ça fait plaisir de servir des instruments dedans, des appareils électroménagers qui fonctionnent. Voilà. On a retrouvé notre cuisine quand même, c'est quand même mieux de rentrer dans la cuisine comme ça, comme c'était noir et tout ce qu'on en veut. Voilà. Tous nos poubelles qu'on grille, si on peut dire, c'est parti, hein, la ville s'en est occupée, et du coup, ben. On est content, voilà. C'est une bonne chose de fait. On a passé un très mauvais moment à nous trois à la maison, je peux vous le dire. On a fait du camping, hein, dans la cuisine, sur une table, pratiquement de camping, avec un petit réchaud électrique à deux feux. C'était très long pour faire chauffer dessus. On avait le micro-ondes, et puis, ben, terminé, voilà. Une voisine nous mettait des choses à cuire dans son four, hein, voilà, comme des rôtis de porc, enfin des rôtis de bœuf, pardon. Par exemple, des choses comme ça, mais bon, ça a été très dur depuis les mois passés. Voilà, c'est une aventure que je souhaite à personne, bien entendu, et j'espère que ça n'arrivera pas ailleurs non plus, parce que cet électricien, pour l'instant, il a le consuel sur le dos, si on peut dire, parce que le deuxième n'est pas du tout d'accord sur les travaux qui ont été effectués sur le tableau qui a été changé, sachant qu'en plus de ça, on avait toujours plus de courant dans certaines prises électriques, boutons et j'en passe, hein, les radiateurs par exemple. Tout simplement que les fils n'étaient pas branchés. Voilà. En plus, il est parti en laissant les fils dénudés à l'intérieur du compteur pour certains endroits de la maison, ce qui fait que ce qui marchait avant son intervention ne marchait plus, et ça se baladait dans le compteur. Et pour rebrancher les fils, le deuxième électricien ne s'est pas marié du tout, je peux vous le dire. Donc tout est reparti, ça fonctionne, mais ça aurait été très dur, et ça nous a coûté des sous toute cette histoire. Voilà, donc je le souhaite encore à personne, de toute façon, mais vous étiez nombreux à me demander, ben, c'est fait, on est en finale, voilà. Alors pour finir, mais on en reparlera bien plus tard, vous me demandez où c'en est aussi pour le chien guide, parce que je ne veux pas vous donner le nom de l'association ou de l'endroit où j'aurais voir le chien guide. Ben, je vais vous répondre tout de suite, je ne peux pas me permettre de vous donner le nom tant que c'est pas fait, parce que je ne peux consécuter personne, tout simplement, et que pour moi, je ne peux pas m'avancer sans avoir du concret à l'arrivée. Donc, je vous l'ai dit, ils sont venus à la maison, on a fait un test grandeur nature, ben, j'ai tenu le coude à la personne pour aller à mon centre commercial en allant, donc j'ai tenu le coude, je l'ai guidé sur la route en lui disant ce qu'il y avait tout autour de moi, donc il a vu exactement, je connaissais mon quartier parce que j'avais fait Catol, donc c'était pas un problème, voilà. Et au retour, donc veux-tu faire 2 km et des poussières, et retour dans le sens inverse, il avait un harnais avec une poignée dans le dos, donc j'ai tenu la poignée tout simplement et je l'ai guidé pour rentrer à la maison où il m'a rien dit, on est rentré comme ça. Ça s'est très bien passé, il était content. Pour lui, bon, je vais avoir un chien, il n'y a pas de problème, mais il ne peut pas s'avancer sans que ça se discute à l'école, ce qui est tout à fait normal. Et pour cela, il faut que j'aille passer donc, une journée donc, en province. Donc c'est prévu pour le mois de septembre. Bon, je peux vous le dire, parce que la vidéo passe au mois de septembre aussi, là, du coup. Mais c'est pour le mois de septembre. Donc, ben, on verra ce jour-là. Et j'en parlerai autour de cette journée, tout simplement, où ça sera une journée d'entretien. On fera donc plusieurs entretiens avec moi. J'aurai un test de canne blanche à faire, ce qui est tout à fait normal de toute façon. Je ne cache pas que pour moi, la canne blanche, bon, hein, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est un objet mort, ça ne m'apporte rien du tout dans ma vie. Mais bon, il faut le faire, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, en plus, on verra une psychologue, donc ça, merci. Hein. J'espère que ça va bien se passer, voilà, c'est tout. Et puis que le soir même, normalement, on doit me valider
le chien en me disant tu auras un chien, voilà, tu pars en formation, parce qu'il faudra aller en formation pour avoir le chien avant, comme vous savez tous. Donc si on valide la formation, peut-être c'est bon. Si on me dira ben tu retournes chez toi, enfin, on me le dira peut-être autrement, mais voilà comment ça va se faire. Donc pour l'instant, je n'en dis pas plus, mais je vous promets que d'une part vous saurez tout au fur et à mesure. Donc si la formation est validée, vous saurez, il n'y a aucun problème. Et puis bref, pendant cette formation, dans combien de temps, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est rapide ou pas, j'en sais rien. Ben, j'essaierai quand même de faire des petites vidéos pour voir ce que je peux vous en dire de cette formation, hein, parce que comme ça vous saurez tout d'un bout à l'autre. Et le jour où j'aurai le chien, ben, on fera des vidéos en direct avec lui, avec mes lunettes, les rébans méta, hein, puisque vous me demandez aussi, vous me posez la question concernant ces lunettes, si c'est pratique. Ben oui, moi j'en suis vraiment très content. Et là, avec un chien guide, je vais pouvoir faire des vidéos justement avec les lunettes de 3 minutes, donc peut-être assemblées à 6 minutes. Façon à bouger avec le chien pour montrer bah, comment travaille le chien, comment je travaille, ce qu'on fait avec le chien, voilà. Et puis bon, bah, la vie du chien aussi, voilà, ça va être quelque chose comme génial, parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Si un jour je ferai des vidéos concernant mon chien guide, bah oui, bah, on fera des vidéos, voilà. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ça avance bien du tout quand même. On va s'en sortir malgré qu'on ait eu des mois difficiles à la maison, et que bon, en plus j'ai mon frère tous les deux maintenant, donc il faut qu'on s'en sorte, et le chien guide, ça va être capital. Voilà, c'est pas d'utilité pour promener. En plus, ça va me permettre de faire les courses, faire d'autres choses pour aider à la maison. Puis moi aussi, me changer les idées en sortant des problèmes, en allant me balader dans le secteur, puisque je connais une grosse partie de la ville grâce au fait que quand je l'ai connu, moi, je voyais un peu clair. Donc, je connais comme la ville, je sais me situer, et avec le GPS, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, vous savez tout pour cette vidéo, tout va bien. J'ai passé un été tranquille. Sur le site de CCINFO 411, j'ai continué à vous mettre des fiches dessus avec les liens pour les vidéos, des vidéos qui viennent un peu de partout, hein, mais j'ai choisi des vidéos que je pensais vous faire découvrir. Hein, certaines m'intéressaient, mais d'autres aussi, j'y tiens, ça peut leur servir. Ils ne connaissent pas, ils vont pouvoir voyager, et regarder, connaître. Et j'espère que ceci vous a plu. On continue, je vais continuer à faire ces vidéos-là, hein, sur le site. Je ne sais pas si je peux en mettre 6 par jour comme je le fais actuellement, mais je peux vous dire que j'ai bien l'intention de continuer, parce que moi ça me plaît beaucoup ce site. Il marche bien en plus de ça. Donc merci à vous tous d'aller sur ce site de CCINFO 411, hein, parce que c'est quand même varié, et que je ne m'occupe pas d'où viennent les vidéos que je vous mets dessus, enfin les liens des vidéos que les gens mettent, tout simplement que si j'estime que ça peut vous intéresser, je les mets, étant donné qu'on a le droit légalement de redonner un lien d'une vidéo sur une chaîne YouTube. Tout simplement que c'est la personne qui gagne une visite quand vous allez visiter, et donc c'est pas pour elle de la perte, au contraire c'est fait gagner des visites, donc il n'y a aucun souci pour ça. C'est pour ce bien là que je vous mets donc les liens, ça vous permet aussi de voir des choses autrement quand vous avez envie de changer vos idées de place, on va dire des choses comme ça, hein. Voilà, j'espère que tout ceci vous plaît, que va continuer à vous plaire. On est ouvert à vous tous, de toute façon, n'hésitez pas à m'écrire, vous connaissez l'adresse, leclairalain91@gmail.com, leclairalain91@gmail.com. Vous aurez toujours une réponse de ma part, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à m'écrire si cela vous tente. Et si vous voulez aider la chaîne, vous êtes les bienvenus comme d'habitude. Merci, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas surtout à m'écrire, et moi je vous dis franchement, on n'est pas fini avec nous. Voilà, merci, au revoir, bonne journée les amis. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour